C'est la semaine de la sécurité routière au travail. Et oui, la voiture, on le sait peu, reste la première cause de mortalité dans le cadre professionnel. Et ce matin, Europe 1 vous dévoile en exclusivité que depuis le début de la crise sanitaire, 30% des Français ont changé leur comportement sur la route, mais pas forcément dans le bon sens. C'est ce que révèle une étude IFOP pour MMA. Les détails de Cécile Lécher, chargée de prévention des risques routiers chez MMA. En pleine crise sanitaire, les autoroutes étaient vides. Il y a eu une hausse de la vitesse moyenne observée. Je conduis plus vite, je fais moins attention. Et des comportements à risque se sont effectivement développés sur la route. Il y a un danger qui est vraiment en train de se développer, c'est le téléphone. La voiture, finalement, c'est devenu un bureau mobile avec des actifs qui nous disent consulter leur mail, qui passent aussi beaucoup d'appels. 70% déclarent passer des appels au volant. Et le risque d'avoir un accident est beaucoup plus important. Et d'ailleurs, on voit au travers de l'étude que 43% des actifs nous disent avoir frôlé un accident, 18% ont eu un accident, 38% ont eu une amende. Donc vous voyez que ce sont des comportements qui sont vraiment très à risque. Des propos recueillis par Diane Berger.